Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des comptines, une histoire et des ateliers. On va commencer avec le rituel de la date. Alors, hier nous étions mardi 21 avril. Alors, si hier nous étions mardi, quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Bravo, nous sommes mercredi. Hier, nous étions mardi, donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et mercredi, cela commence par la lettre M, du son M, comme maman. On épelle le mot ensemble à la maison ? Oui. Alors, on y va. M, E, R, C. Le son I. Est-ce que vous pouvez me trouver un mot à la maison qui finit par I? Momie. Radis. Lundi. Et si hier nous étions le 21, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Le 22. Le 22. Vous êtes prêts à compter avec moi les enfants à la maison jusqu'à 22? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 avril 2020. Avril, c'est notre mois. Je veux qu'à la maison, vous me fassiez une jolie phrase qui commence par « Aujourd'hui, nous sommes ». Je vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 avril 2020. Très bien les enfants, on passe tout de suite à la météo. Alors allez tout de suite à la fenêtre pour me dire quel temps il fait chez vous. Alors moi je viens de regarder par la fenêtre et il pleut. Et je crois d'ailleurs qu'il doit aussi pleuvoir chez vous car j'ai vu qu'il pleuvait sur toute la France. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent de l'étranger, du Maroc, de l'Algérie, de la Réunion, de la Martinique. Peut-être que vous, vous avez la chance d'avoir un beau soleil, mais en tout cas, chez nous, il pleut. Je mets ma petite flèche sur la pluie. La pluie, ça fait aussi du bien à la nature. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais envie d'écouter des petites comptines. Et on ouvre ses petites oreilles. Et je suis sûre que vous connaissez tous ces comptines. Alors, je compte sur vous à la maison pour les chanter avec moi. C'est parti!
petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. On va passer maintenant aux devinettes et on va un petit peu changer de d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer une image et vous énumérer des métiers. Il va falloir retrouver l'image correspondante. Regardez, je vous montre tout de suite l'image. Donc, vous voyez sur cette image, il y a plusieurs messieurs. Donc, si je vous dis de me trouver le pompier. Trouvez-moi le pompier. Allez, montrez-moi le pompier à la maison. Le pompier, il a une combinaison, il a une lance dans la main et il a un casque sur la tête. Très bien. Maintenant, trouvez-moi le chirurgien. Alors, le chirurgien, c'est un médecin qui opère les gens. Lorsque parfois on peut se casser un bras, c'est un chirurgien qui nous opère et qui nous répare en quelque sorte. Donc le chirurgien a une blouse verte, un masque sur le visage et un petit bonnet. Est-ce que vous le trouvez, le chirurgien ? Super les enfants ! Maintenant, montrez-moi le jardinier. Alors, le jardinier s'occupe du jardin. Il a donc un arrosoir à la main et aussi un râteau. Montrez-moi maintenant le boulanger. Le boulanger a une baguette dans la main et également une petite toque sur la tête, un petit chapeau blanc et un tablier bien sûr. Très bien les enfants. Dis donc les enfants, vous êtes vraiment très très forts. Maintenant, on continue avec une devinette sous la forme du jeu. Qui est-ce ? Je suis sûre que vous connaissez ce jeu. Alors attention, regardez bien l'image. Je vais vous donner des indices et il va falloir retrouver de quel personnage je parle. Je vous montre tout de suite l'image. Je suis une fille. J'ai les cheveux bruns. Donc brun, cela veut dire de couleur marron. J'ai deux petites couettes. Et j'ai un petit pull rouge. De qui s'agit-il ? Je répète. Je suis une fille, j'ai les cheveux bruns, j'ai deux petites couettes
et j'ai un pull rouge. Il s'agit de loup. Très bien les enfants, vous l'avez trouvé. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. On refera une devinette la prochaine fois et je suis sûre que ce coup-ci, vous trouverez la bonne réponse. Maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Que vous vous souvenez la dernière fois, quelle histoire je vous avais lue? C'était une histoire de loup. C'était le loup qui cherchait une amoureuse. Cette semaine, j'avais encore envie de vous lire une histoire avec un loup. Cette histoire s'appelle « C'est moi le plus fort ». Vous êtes prêts les enfants? Alors vous vous asseyez bien confortablement et on ouvre bien ses petites oreilles et on se retrouve après l'histoire pour discuter ensemble de l'album. Donc il faut bien écouter, je compte sur vous. À tout de suite. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de garenne. Bonjour, belles oreilles, dis-moi, qui est le plus fort ? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, maître loup. Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous. Ça, c'est sûr, grand loup. On ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, répond la petite fille. C'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments, je ne m'en lasse pas, jubile le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Que vois-je? Trois petits cochons loin de leur maison. Comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les trois petits. C'est évident! Je suis le plus féroce, le plus cruel! C'est moi, le grand méchant loup! Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claironne le loup. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. Eh oh, les zinzins du boulot, savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. Ah! C'est clair, c'est net, ça ne se discute pas. Tout le monde le sait, je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Oui, bien sûr, c'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? Pauvre gargouille! Misérable artichaut, tête de lard! Tu cherches la bagarre? J'ai du mal à entendre! Qui est le plus fort, s'il te plaît? Mais je t'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. Et c'est aussi la plus gentille.
sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi? Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment. Alors les enfants, est-ce que vous avez aimé cette histoire? J'espère que oui. Alors, quel est le personnage principal de cette histoire? Bien évidemment, c'est le loup. Comment se sent le loup dans cette histoire? Comment est-il? Comment se comporte-t-il avec les autres? Il n'est pas très gentil, mais pourquoi? Il se sent comment? Il se sent très 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 fort. Il croit que c'est le plus fort de tous les animaux de la forêt. Et qui va-t-il rencontrer? Quel personnage va-t-il rencontrer dans ce livre? Il rencontre le lapin. Que demande-t-il au lapin? Il lui demande qui est le plus fort. Et que lui répond le lapin? Que c'est lui le plus fort. Ensuite, qui croise-t-il? Le petit chaperon rouge. Il lui pose la même question. Qui est le plus fort? Et que lui répond le petit chaperon rouge? Que c'est bien évidemment lui le plus fort. Il se sent alors très 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 puissant. Qui va-t-il rencontrer ensuite? Les trois petits cochons. À qui il pose cette même question? Qui est le plus fort? Et que lui répondent les petits cochons? Que bien évidemment, c'est lui le plus fort. Voilà, il se promène dans la forêt en toute puissance. Il est très fier de lui. Il crie qu'il est le plus féroce, le plus cruel des animaux de la forêt. Ensuite, il croise les sept nains. À qui il pose la question? Quelle question? Qui est le plus fort? Et que lui répondent les nains? Que c'est lui le plus fort. Regardez, regardez comme il est fier et content quand il marche. Il se sent vraiment très très fort et puissant. Et ensuite, qui va-t-il rencontrer? Un tout petit crapaud. Enfin, il croit que c'est un crapaud. Mais en fait, est-ce que c'est un crapaud? Non, non, non. C'est un bébé dragon. Alors, bien évidemment, il lui pose la question de qui est le plus fort. Et que lui répond le petit dragon? Que c'est sa maman. Il est alors furieux. Très, très, très énervé. Ça ne lui plaît pas du tout. Il essaye de faire peur et d'impressionner le petit dragon. Mais c'était sans compter que sa maman était là, derrière lui, pour le protéger. Et alors, lorsque le petit dragon demande au loup qui il est, il lui répond « Je suis un tout petit. » Gentil loup. Pourquoi répond-il ça, à votre avis? Pourquoi soudainement il lui répond que c'est un tout petit gentil loup? À votre avis, pourquoi répond-il que c'est un tout petit gentil loup alors qu'il a fait peur à tous les personnages qu'il a rencontrés? Eh bien parce qu'à son tour, il est impressionné et qu'il a peur de l'impressionnante maman dragon. Il n'a pas envie de l'embêter. Il est très très impressionné et il a très très peur de la maman dragon. Donc il redevient tout petit et tout gentil. Quand j'ai lu ce livre à mes enfants, je leur ai expliqué que parfois à l'école, il pouvait aussi y avoir des enfants qui se comportaient comme ce loup. C'est-à-dire des enfants qui pouvaient parfois être méchants ou vous faire peur, ou mal vous parler, ou vous impressionner. Et c'est très important de pouvoir en parler à son papa ou sa maman. Parce que vous voyez dans ce livre,
ce petit dragon qui était tout seul. Eh bien, il a toujours sa maman derrière lui. Et vous aussi, vous devez savoir que vous avez toujours votre papa et votre maman qui seront là pour vous protéger. Donc c'est très important de toujours raconter à papa et maman ce qui se passe. Et au cas où vous rencontrez à l'école ou lorsque vous jouez dehors avec vos amis, si vous rencontrez des enfants qui sont comme ce loup à vouloir vous faire peur ou à mal vous parler, il faut surtout le dire à votre papa et votre maman. Parce que papa et maman seront toujours là pour vous protéger et pour vous aider. C'était le petit conseil que j'ai donné à mes enfants lorsque j'ai lu cette histoire. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. Et maintenant, on passe aux ateliers. On passe aux ateliers. Cette semaine, pour les ateliers, j'ai préparé quelque chose d'assez simple à réaliser. Je sais qu'on est tous en période de confinement. C'est assez difficile d'avoir tout le matériel nécessaire sous la main. Moi-même, je n'ai plus de colle, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'avais des cotons-tiges. Donc, on va faire l'activité cognitive et de motricité fine où on va utiliser des cotons-tiges. Donc, j'ai fait des petits dessins comme celui-ci où j'ai représenté le coton-tige par un bâton noir avec des embouts de couleur. Donc, votre enfant va devoir essayer de reproduire cette forme avec, bien sûr, les bons embouts de couleur. C'est vraiment un exercice qui est adapté au maternel, que ce soit petite section, moyenne section ou grande section. Pour un petit, vous allez simplement lui dessiner des formes simples avec par exemple 3 cotons-tiges ou 4 cotons-tiges. Et après, suivant la difficulté et le niveau de votre enfant, vous pouvez rajouter des éléments. Je vous mets une petite photo des schémas que j'ai réalisés si vous voulez vous en inspirer. Donc ensuite, j'ai peint des cotons-tiges. Donc moi, j'ai trempé les embouts des cotons-tiges dans la peinture. Après, vous pouvez aussi le faire au feutre. Ça marche aussi très bien. C'est peut-être même plus pratique. Puisque du coup, quand vous utilisez la peinture, il y a un petit temps de séchage des cotons-tiges. Donc, j'ai ma petite boîte de cotons-tiges. J'ai mes petites formes. Et maintenant, je vais laisser mes enfants travailler. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous pouvez laisser votre enfant déposer les cotons-tiges sur le modèle. Et bien entendu, le but, c'est qu'il puisse reproduire le modèle en dehors du modèle de présentation. On va continuer d'utiliser les cotons-tiges. Donc j'ai dessiné un tronc d'arbre et on va venir avec les cotons-tiges tapoter pour réaliser les feuilles d'arbre. Donc voilà, j'ai réalisé mon arbre. Maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. Que vous êtes bien amusés avec moi aujourd'hui et que vous avez réalisé des magnifiques arbres, n'hésitez pas à me les envoyer, à demander à papa, à maman de me les envoyer par mail. Je me ferai un plaisir de voir vos créations. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous embrasse, je vous dis bonne semaine. On se retrouvera avant la semaine prochaine pour une activité créative. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous embrasse mes petits loups et je vous dis à la semaine prochaine. Entends-tu? Je mets ma chemise. Prenons-nous dans les bois.
pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma culotte. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets mes chaussettes. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma veste, je mets mes bottes, je mets mon chapeau, je mets mes lunettes, je prends mon fusil, j'arrive.